Vous avez parlé de l'anémie déjà, pas vrai? Qui ça qui est anémie? Qui différents types d'anémie qui gagne? Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis à nous entrer la carrière pour venir porter pour un nouvel épisode de Connexion Santé. Nous allons parler de l'anémie falciforme. Nous allons prendre un petit coup de pause, nous allons tourner talé pour venir porter plus d'informations pour vous concernant la maladie. Choisir un médecin pour traiter maladie là c'est bien, mais choisir un médecin compétent qui dans le domaine pathologie ou à souffrir c'est un autre bagaille. Ou même qui a un problème respiratoire, de l'eau dans le poumon, problème sucre, tension ou gonvier tout ce qui est à jour, Dr Charles Sabine qui est un pneumologue interniste à Tannou Clinique Nishita à Nan Omni Hospital qui est trouvé dans Pétionville, rue Clairvaux en face hôtel La Lorraine. Si tu as besoin de faire tout examen ou les spirométrie, Dr Charles Sabine a un matériel à compétence pour ça. Clinique l'en ouvre de 10h à 2h. Pour information, relayez dans 38 27 41 38 43 90 94 15. Docteur Charles Sabine, un choix éclairé pour garantir soins santé. Nous retournons après pause. J'aimerais te dire, nous allons parler de l'anémie. Il y a plusieurs types d'anémie. Mais ce qui intéresse nous aujourd'hui, c'est l'anémie falciforme. Mais qui est l'anémie falciforme? C'est une maladie qui a un sang qui est héréditaire. Ça veut dire qu'il transmet de parents à petits. Si une maladie qui touche les globules rouges, les gens qui sont malades, ils déforment. Déformation, ça bloque la circulation sang dans le corps et puis rend les globules vulnérables. Ce qui vient rendre les globules pas qu'en plus fonction principale, qui c'est faciliter la circulation d'oxygène dans le corps et puis provoquer un pilot dommage. D'après l'OMS, qui c'est l'Organisation mondiale de santé, l'anémie falciforme touche généralement les gens qui sont race noire. Par exemple, en Afrique, il y a 70% de cas de monde qui souffrent d'anémie falciforme. Il y a seulement 10% en Amérique du Nord, 10% en Caraïbes, côté Haïti, 3% en Amérique du Sud, et puis seulement 1% en Asie et en Europe. Il faut que nous disions, chaque année, il considère qu'il y a environ 300 000 petits bébés qui font la maladie anémie falciforme dans le pays qui est pauvre. Et il y a plus de 50% là-dedans qui mourent après 5 ans seulement. Mais dans le pays riche, il y a seulement 10% qui mourent. Et si les gens qui mourent dans le pays pauvre, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de soins qu'ils méritent. Si les gens ont plus de chances pour faire une infection, sans compter l'autre complication grave qui est capable de gagner, tant qu'AVC, stroke et insuffisance respiratoire. Qui signe et symptômes qui sont capables de montrer aux gens fait anémie falciforme? Signe et symptômes varient selon les gens qui sont malades. Mais, ça nous est plus souvent, c'est douleur dans le coude, dans le genou et dans le dos. Il est capable de douleur dans les os et dans les muscles. Les gens qui font anémie ont toujours senti fatigué. Raison, parce qu'ils n'ont pas assez de globules rouges. Les gens ont toujours essoufflé, ça veut dire souffler ou. Les gens qui font anémie falciforme sont très sensibles pour faire une infection à cause du système immunitaire qui affaibli. Et généralement, si les gens qui arrivent à survivre sont capables de gagner un retard de croissance, ça veut dire qu'ils n'ont pas grandi. Et dans un moment, Freddy, les gens qui font anémie falciforme toujours à monter au calvaire parce qu'ils n'ont pas qu'à supporter la douleur dans le corps, principalement dans le coude et dans le genou. Il y a plusieurs complications graves dans la maladie anémie falciforme. Les gens qui ont anémie falciforme ont moins de globules rouges que celles qui ont gagné. Parce que les globules rouges sont plus fragiles, ils détruisent plus rapide parce que chance à la de fait. Vous avez une grosse chance pour faire un stroke. Parce que les vaisseaux qui portent sang dans le cerveau sont bouchés facilement. Vous avez une grosse difficulté pour respirer, un gros problème dans la hanche, ça nous est senti. Jusqu'à présent, pas de aucun traitement. Mais vous avez toujours fait un genre pour traiter les symptômes. Et dans les dernières années, vous avez un pile gros progrès scientifique qui fait pour jouer des solutions avec la maladie, ça, que malheureusement, tout le monde n'est pas arrivé à payer le traitement. Ça. Dans gros pays, par exemple, ils ont utilisé ça nous les greffes moelle osseuse qui ont aidé les patients. Mais ils sont réservés pour les gens qui sont malades graves. Et ils ont plus de traitement encore. La maladie anémie falciforme, c'est une maladie héréditaire, j'aime te dire là. Ça veut dire, si on a deux parents qui ont gagné, on a 50% de chance pour si moun nan gen. Mais si tous les deux parents yo gen, on a 100% chance pour si moun nan gen. Gen un pile vie impact anémie falciforme capable gen sur un moun ka viv en Haïti. Premièrement, gen stigmatisation. Yo kon choisi bay blague sou physique yo. Yo moun ki soufri anémie falciforme, c'est un moun ki toujours besoin soin. Et ça kon tourner un défi pour famille ak moun ki nan entourage li. Problème économique pour déplacement
ak swen l'hôpital se principal sous problème yo. Nan sa sa, nou ankouraje nou ede moun ki soufri ak maladi sa paske yo bezwen ede nou. E ede yo ak tritman yo si nou kapab pou yo gen yon pi bon vi. Nou te kontan pou nou pote nouvel epizod sa pou aujodi an. Nou te palo de maladi anemi falciform ki sa liye e ki impact li kapab gen sou moun ki malade la. E nan profite di ou, ou dwe toujou sipote moun ki fe anemi falciform yo. Nou te kontan pou te nouvel epizod sa pou aujodi an. Men avan nou ale, nan fò konnen, ou menm ki nan sektèr medikal la, ki tou se medisyen ou bien etudyan nan nèpòt ki domen, gen yon sèl kote pou fè kòmande kòb, se nan Atlas Medical Supplies. Rele yo nan 4811-9606 ou bien nan 4857-7628 pou plase kòmande. Nou bon randevou semen pochèn pou yon lot epizod. Mersi, a la pochèn.